Oh là là, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo les amis. Ça y est, c'est le retour au stade. Aujourd'hui, Lille-Nantes à 13h. Il est actuellement 9h du matin. J'habite à 45 minutes du stade. J'ai beaucoup de choses à faire avant. Je dois aller chercher ma mère, etc. Et puis bah, après, go le stade, go le temple, etc. Et c'est reparti les gars, c'est reparti. Allez, on est arrivé au stade. Je suis avec mère. Du coup, ton pronostic pour Lille-Nantes? Bah écoute, moi j'aimerais bien que Lille gagne, ouais. C'est beau, grand soleil, premier match de l'année avec Mouloulou, je dirais, allez, 2-1. 2-1 et qui c'est qui marque? Cabella. Cabella, hein. Rémi Cabella. Pas José Fonte. Bah il joue plus. Ah parce que là on avait la plus grande fan de José Fonte. De tout l'univers. De tout l'univers. Et là, comme il est parti, hein, voilà, va falloir trouver un nouveau chouchou. Et aujourd'hui, elle va trouver un nouveau chouchou sur le terrain, peut-être, on ne sait pas. Hein. Ouais, on verra, on verra. Je vais regarder ça. Je vais être attentive. Bon les gars, on est avec Charles, il avait gagné un jeu concours, 50 euros de cartes cadeaux dans la boutique Vintage. Ton pronostic aujourd'hui? Je vois bien un petit 3-0 pour le LOSC. Ah ouais? Ouais. Et Luther? Confiance en Luther, Akon et ouais. Dubé de David. Et Eden Hazard ou pas? Eden Hazard, hein. on espère. Eden rentre à la maison, ça va, t'as corrigé la faute? Ouais. La bière est bien arrivée à destination et aujourd'hui il y a un petit jeu. Il donne un ticket à gratter pour si on prend une Duvel, un ticket à gratter, puis on peut gagner un bob, un caleçon ou même un string, donc c'est incroyable. Et là, Joe au temple, il m'a donné 6 tickets au lieu de 1. Donc j'espère que je vais gagner. Bon bah les gars, perdu, donc Joe au temple, il va être dégoûté parce que il pourra pas me voir en string aujourd'hui, malheureusement. Il n'y aura pas de photo. Comme il voulait une preuve, j'ai perdu à cause de toi, Joe. Ouais, non. Bon, les gars, on est avec Dimitri. Et puis, comme les autres, on va demander le pronostic pour toi. Combien aujourd'hui? Moi, je dis 3-1. 3-1 et avec des buteurs, au moins un buteur, allez. David. Pour toi, un de ces derniers matchs ou pas sous nos couleurs, ou pour toi, il va rester? J'espère qu'il restera. Après, on verra. Le mercato n'est pas fini. Ouais, c'est ça. Mais bon. On verra bien. Ok, ça marche. Bon les gars, ça y est. On rentre dans le stade, ça y est les gars, après 2 mois sans match. On est de retour les amis, ça y est. Ah les gars. Ah yeah les gars, c'est reparti. Bon les gars, petit burger. Là je suis en mode dégustation, en mode valouze. Très bon, mais très chaud, mais très bon. Oui.
les supporters du LASK, préparez-vous pour la première promo de la saison à domicile. Mon frère, mon méchant, c'est ton rôle. Allons-y, allez, surtout à notre rencontre. Comment ça se passe ici? Il faut qu'ils entendent leur nom comme s'ils étaient sur la pelouse. Le 11 de départ des Dogs, c'est maintenant. Ville Olympique Sportive. Entraîné par Monsieur Paul. Patron numéro 30, Lucas. Attention, ça va être à vous. Votre numéro 4. Patron numéro 18, Marc-Antoine. Votre nouveau numéro 22, Calais. Mi-temps, dur dur là, c'est plus dur que ce qu'on pensait. On est encore en train de vendanger devant le but, on a énormément d'occasions. Mais on loupe toujours la dernière place pour marquer. J'espère qu'on va pas faire pareil que l'année dernière. Et on a déjà eu notre première barre de la saison, comme vous savez l'année dernière, on était la première équipe avec le plus de barres et de photos. Donc on a eu notre première barre avec Jonathan David. Et puis bah voilà, on va voir ce que ça va en deuxième mi-temps, mais j'espère qu'on va pas regretter encore ces occasions manquées. Il y a eu quelques contre-côtés nantais, mais on a de la chance qu'ils ont du mal à qu'ils vendangent aussi. Donc à voir ce que ça va donner en deuxième mi-temps, mais j'espère qu'on va gagner ce match. Et on le mérite pour l'instant en tout cas.
petit verre à la France. Ouais. Bon les gars, fin du match, victoire 2-0. On est passé en fin de match par toutes les émotions, avec le carton rouge d'Alexandro, l'égalisation nantaise finalement annulée, pénalty pour Lille finalement annulé. Et puis au final, ben, le 2-0 quand même dans les dernières minutes dans le temps additionnel. Donc victoire 2-0 qui fait du bien, une bonne entrée d'Ounas qui a été très explosif, franchement incroyable son entrée. Et puis ben, voilà, on commence très bien à domicile et j'espère qu'on va continuer dans ce sens face à Montpellier. Bon du coup, voilà, premier vlog de l'année avec une victoire impeccable 2-0. Prochain vlog du coup, ça sera la semaine prochaine en Conference League. Et après, bah, on enchaîne tout de suite 3 jours après avec le déplacement à Lorient. Donc normalement 3 vlogs en 7 jours, c'est incroyable. Pour une reprise de saison, franchement c'est top. Bon, je termine ma petite bière et puis bah, après on rentre à la maison. Et puis voilà, hein, premier match terminé. Première victoire, et puis voilà, en espérant qu'on continue sur cette lancée. Allez les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le plus beau pouce bleu que vous pouvez lâcher. Et puis, bah, mettre un commentaire, les gars, ce que vous avez pensé de ce petit vlog. Et puis, bah, voilà, allez, ciao.